Guy Philippe, comme si son monde qui parle intervenu, qui a venu expliquer. Qui a venu bailler position, c'est pas ça du tout. Jodia, c'est plutôt une émission sous passé, monsieur. Ça qui est passé dans le pays, le 184, tu es dans la rue. Ça qui est passé, le tu as gagné une tentative de coup d'État, problème, monsieur, tu as gagné avec Aristide, etc. Donc, et les monsieur tournait, ça qui arrivait et ça qui peut le passer. Nous remarquons, gagner des monde qui prend position. Nous pas pral critiquer monde qui prend position en faveur de Guy. Nous pas gain droit pour nous faire ça. Parce que d'abord nous sommes des journalistes. Nous faisons pour analyser et rapporter les faits. Et c'est dans le cadre de ça nous-mêmes n'a continué travail, n'a fait travail pas nous. Mais faut me saluer certains monde que me pas nommer pour qui ça parce que yo un petit gens très inquiet parce que Guy est un homme sous pas dit bien de lui seulement faut pas parler de lui parce qu'on a un problème moun yo paniqué et pourtant moi pas pour qui raison. Si on moun pral di des bagay qui sensé, qui gens pour paniquer et pour peur. Mwen pa pe saluer, m'ap cite non moun, même saluer au compte qui est souye. Y en a tout secteur. Mais son pays qui difficile pour changement fait. Mwen pral di nou avant me saluer camarade yo. Hier, gon attaque que Nek Belé fait sous Solino. Tout le monde d'Elma, Badelma, Odelma, tout le monde courit. Comme si le monde n'avait pas la révolution. Tout le monde courit. Pas même de problème. Boson. 48, etc. Pas de problème, mais tout le monde courit dans toute zone métropolitaine, tout le monde courit, caché, courir, entrer, etc. Bon. Changement fait dans le prix sacrifice. Changement pas fait côté Ushita et pour obtenir le porter changement pour. Ou quand dit moment pour arriver. Mais soit font mouvement dans le pays ça. Faut gagner des gens qui décident, faut gagner des leaders qui paraît tête, même j'ai un geek paraît tête. Nous prenons le parler de Guy et nous pas besoin de peur. Ma grand monde pour me saluer. Ma cité non. Toyo. Salut Toyo. On nous dit les. Ou gagne Toyo gagne bonne réflexion. Ou solide, mais espère que vous attendez l'émission ça. Et puis, on a partagé point de vue nous ensemble, accord et désaccord. Gage. Avant de commencer l'émission, nous connaissons. Moi, pas jamais. Pour contre, moi. Et l'on est voulu changement, tout faut pas jamais pour contre. De vous voulez pour contre nos changements, et on va réussir. De même si vous arrivez, vous va pêcher quand même. Parce que changement, même s'il est en tête, tout faut partager à l'autre monde, pour qu'à corriger, parce que Haïti, son pays difficile, Haïti s'est glissé. N'ayez pas peur. Nous pas besoin peur. Nous pas besoin peur. Jovenel mourit, tu tué Jovenel. Nous pas même compte qui est-ce qui tue Jovenel. Jusqu'à présent, nous avons des auteurs intellectuels là. Mais nous avons deux, trois personnes qui impliquent. Nous faisons quatre actes sur Jovenel. Depuis l'homme fait ça, pas de monde qui fait un en plus. Seul entité qui font en plus. C'est la justice seulement qui a arrêté certains nègres. Donc, c'est même quatre figures. Moi, je dis nous des bagailles qui passent dans le pays. Parce que pas oublier quand même. Haïti débat. Scoop. Nous sommes dans Télémax. Faut ne pas oublier quand même. Je fais qu'on est dans 8 ans. Directeur information Télémax. Je fais 10 ans. Directeur information dans Signal. Ça veut dire avant ça. De l'université. Vous ne pouvez pas être comme vous connaissez.
Scoop. Il te connaît Hermione. Il te connaît Oudi Terrasson. Ça veut dire qu'on a fait une interview avec Aristide Lakaili. Monsieur journaliste. Moun qui vient après moi, c'est Henri Guerreux. Qui réalisait plus d'interviews avec Guy. Parce qu'à l'époque, même des directeurs d'information. Dans le signal, Henri Guerreux, c'était reporter l'idée. Après ça, Henri vient animer l'émission. Et puis, Henri vient recevoir Guy plusieurs fois. Mais c'est moi qui organise, c'est moi qui recevoir Guy plus comme journaliste dans le pays. Donc, pour qui ça pour moun peur pour parler de Guy? Qu'est-ce que vous avez dit là, peut-être? C'est des vérités que moun connaît ou bien moun oublié? Mais moi, marqué tout, nous avons un problème de mémoire. Et pas peuple là seulement, non? Nous avons un problème de mémoire parce que là, nous n'avons pas d'éducation pour ça. C'est difficile. Et ça fait, nous toujours apprenons un coup de bas politique et coup de bas politique. Disons très connu, qui soutenu Guy, bon, ça c'est eux-mêmes. Mais moi-même, c'est pas démarche pour ça. Contrairement à ça, nous pensons que Guy sont passionnés de littérature. Et monsieur champion national de tennis de table. Ça veut dire, même si monsieur dans le métier des armes, mais monsieur qui a des autres compétences. Ce n'est pas un idiot. Son nègre qui a peut-être un niveau d'émotionnalité là-dedans, comme tout haïtien, mais il y a des bagages que monsieur connaît. D'ailleurs, si pas de connaît, il y a des bagages qui ont fait dans le pays. Donc, monsieur est entré en septembre 1992 à l'Académie supérieure de police à Quito, en Équateur. Monsieur fait 3 ans en formation. Et nouvelle, yo, information fait connaître, monsieur c'est le premier. Mon nom, dans l'armée ça, dans la formation ça, qui te gagne grade ça, qui te arrivé dans le niveau ça. Là, monsieur saute en formation, il rentre en Haïti et il rentre dans les forces armées d'Haïti comme cadet. Nous sommes longtemps, et bon, il n'y a pas de période, nous, monsieur, mais des profils de fait philo, où tu as commencé par l'université, parents, à l'époque, tu as toujours aimé pour petit tu as l'académie. Bon, moi-même, je ne suis pas à l'académie parce que je ne suis pas fait la mer. Même. Parce que je suis l'autre conception de pays, je suis l'autre conception de la mer, je suis l'autre culture intellectuelle sous question de la mer. Parce qu'avec Roger, petit frère, je suis a priori, entre guillemets, ou même pas tête, mon satisfaction, donc marxiste-léniniste de conviction. Donc cette affaire de l'armée, je vais t'appeler la donne. Jeune d'ailleurs, il y a un plus bon ami, il y a un monde que je vais suivre à l'époque, qui était pas la même, c'était René Théodore. Donc affaire l'armée, on a fait cardia, je vais t'appeler la donne. Oh, ok. Donc, Guy lui-même, Guy est entré dans l'académie. Mais l'armée a été venu un problème à l'époque. Et lorsque dans l'armée, il était venu difficile pour prendre la police nationale. Scoop. Donc qui font pas qu'un temps Haïti débat. Que l'a cherché comme cadet, ancien cadet qui était pour formation en Équateur pour te rentrer dans l'armée. Et c'est sous régime René Préval, grâce à un directeur général que je connais bien, monsieur le Pierrot de Nissi. À l'époque, Bob Mandel était secrétaire d'État sécurité publique. C'est Pierre Denisé qui a des rapports personnels avec Guy, directeur général ça, pour intégrer Guy dans la police nationale comme commissaire de police responsable du commissariat Rouanamet. Par la suite, Guy Pralvin dirige le commissariat de Delma. Enfin, quoi, il était fontitan dans le commissariat Cité Soleil. Mais il faut me dire, monsieur, n'est-ce que le Pierrot Denisa Bob Manuel là,
c'est des monde qui dans la police là pas gagne jouette dans bagage ça. Nèg me dit ça ouvle. Et pas pour ça. FM. Le Bob Manuel au côté où est son chef qui était là. Dans pays d'Haïti. À l'époque, je salue Robert Denis, président directeur général de Télémax. Une des émissions que l'impasse, mais c'est seul journaliste en Haïti. Ma souche était de l'autre, qui était déplacé. Bob Manuel avec Pierre Denis dans l'émission de Télémax. Pas un monde même que qu'on approche un ego. Pas besoin de vous. D'ailleurs, on va parler. Ça veut dire, étant journaliste transversal, j'ai un pile écoute dans l'impasse qu'elle est issue, pays en difficulté, et puis m'inviter, m'écrire, m'inviter, et puis je dis, il y a une vidéo de baquet. Laisse ça, vous n'avez quitté chef de sécurité, ou bien quitté une sécurité importante dans l'équipe ça, si l'abtendem, monsieur, il est Gracia. Gracia, monsieur, il travaille. Non, ma quête que je vais citer, non. Et là, ça, grâce à tes parents avant, il y a débarqué. Donc, ceci dit, Pierrot Denisé, il est intégré dans la police nationale. Là. Et, monsieur, rentré, il a évolué, il a fonctionné. Pendant la période ça, ou bien tout de suite après la période ça, le pays a pral bouleversé. Crise politique là pour commencer. Scoop. Laisse ça venir assassinat de Jean-Léopold Dominique. Pas oublier, me dit nous dans Télémax. Haïti débat. Le moi dans Télémax ça monsieur. Réunion salle des nouvelles là faite à 9 ans. Puisque nous sommes à Foufeuille. Moi quitte la caille chaque jour à 6 heures ou bien 6 heures 10. Ma passe prend Sandra du Vivier pour nous arriver à 7 heures. Pour me tendre toute radio. Pour me capable de faire synthèse actualité, hein? Et puis pour mon qui dispatch, qui m'a dispatch au porteur pendant la journée. Hein? Donc, je fais ça du lundi au dimanche. Attention. Et qu'on y a moi, depuis le vendredi, tout le journée sale la caillou. Haïti débat. Depuis le vendredi, tout le journée sale la caillou. Et puis toute information m'est passée, pas aucun problème. Et puis à retourner lundi matin. Nous songeons, moi et Maïtson, nous pas jamais dormi, nous avons travaillé toute la nuit. Là, la langue, nous avons parlé en téléphone. Là, ça a été Haïtel qui était à l'époque. Nous avons travaillé. Donc, c'est pour me dire, nous, ma vie sous Jean-Dominique. Jean-Dominique pral mourir pendant la pentrée dans la radio. Et comme je tape suivre Jean comme modèle, moun met des problèmes avec Jean. Vous comprenez? Nous avons suivi Jean, et puis nous tendons Jean Brambal dans la radio, il a annoncé ça. Je courais les Sandra. Sandra, qui est une réalisatrice et caméra-woman, mais ce n'est pas caméra qui a sorti en reportage. Actualité à boule pour point. Sous Charlemagne et Peralte. Monsieur Radio a dit. L'actualité à boule pour point, Haïti Inter fait le point. Et puis monsieur dit, on voit rager, les peuples sont comme les arbres. Ils fleurissent à la bonne saison. C'est ce que nous a appelé un autre général, notre compère, le général Soleil. Le bien-nommé. La belle saison que nous vivons aujourd'hui est celle de la renaissance de Charlemagne. J'ai dit bien renaissance et non réhabilitation. Le terme serait injurieux pour la mémoire de ce général des hommes libres que
que fut Peralte comme l'autre. Nous comptons tout, oui. Vous comprenez? Mais on ne peut pas nier ça, parce que c'est des guillemets de balai. Mais pendant la période, ça, n'est que ça a mouru. Scoop! Pays a mouru! On voit disparaître. Et ne pas jamais gagner encore. Pas jamais gagner de Jean-Dominique encore. Jean-Dominique mourit, Pasteur Leroy mourit, et ils vont tous ces pral, ils vont lui tous ces pral mourir, qui c'est un sénateur OPL. Et pral gagner une rumeur de coup d'État qui a circulé dans le pays. Livine 17 décembre 2001. Yo di go équipe nèg qui rentre dans palais et qui a tenté font coup d'état sous Jean-Bertrand Aristide. Tentative de coup d'état ça a raté. Te gen au moins 5 moun qui mouri. Plusieurs assaillants, suivez bien, rentrent dans le palais. Selon le pouvoir, c'était Guy Philippe qui était à la tête. Il me dit selon le pouvoir. Après ça, plus devant, il me dit ça qui passait. Nous sommes en 2001. Oui, 2001. Et assaillants rentrent pour tenter pour renverser Aristide. Mais rentrent à 2h30 du matin. Haïti débat. Tu es dans l'assaillant, ça haut. C'est des mouns qui t'a parlé, ça va être sérieux en fait. C'est des mouns qui t'a parlé espagnol. Ils ont entré dans la cour, ils ont entré à bord de deux pick-up. Ils ont fait exploser une grenade. Scoop. Et ils ont fait des rafales, balles automatiques. Gros âmes capturées en abalé. Gomme commando que ont retrouvé mourir dans la cour. Après annonce attaque ça, plusieurs milliers de monde prennent la rue. Parce que pas oublié, non? Jean-Bertrand Aristide, populaire! Pas joué, non? Haïti débat. Et beaucoup ouais dans l'histoire, beaucoup ouais dans bah, ça qui est l'équipe populaire parce que Jean-Bertrand Aristide. A fait garde, ou même sous contre la Valas, ou a dissolvé. Mais ça m'te connaît, titit, ça m'te connaît. Qu'a fait chède pour lever sous roi, qu'a fait crier toute la journée, hein? Lèl pour coup d'état moun ap mouri a moun ap crié a affaire de popularité ça son bail incontestable. Maintenant scoop de gen deux policiers qui mouri val gen 6 moun qui blessé gen 2 passants 6 policiers blessés gen 2 passants qui mouri gon membre commando a que rejoindre mouri dans la cour ça me te dire après annonce attaque ça moun yo prend la rue yo te gen nan mayo manchette bâton revolver, ils ont rassemblé devant palais. Cage FM. Haïti débat. Ils ont tellement excité, manifesté, ils ont dit tout journaliste déplacé. Ils ont attaqué journaliste Radio Métropole, ils ont attaqué journaliste Caraïbes, ils ont crasé vite machine des Caraïbes. À l'époque, tout nèg obligé de jeter. Parce que là où il y a chaud, le peuple a souffert. Jusqu'à présent, scoop. Personne pas qu'à confirmer sa bagaille sa atteye. Mais ap cité non moun. Nous comprenons? Mais personne pas qu'à expliquer sa atteye. Mais yo dit son coup d'état raté. Kounye a nèg l'opposition et moun ki anti Aristide. Mais ça yo dit à l'époque. Yo dit son faux coup d'état monté par le régime en place à savoir la Valas, pour justifier répression sauvage que vous pouvez faire contre l'opposition démocratique. Tu es là? Donc, scoop. Suite à sa situation, ça, que certains moun qualifié à l'époque de mise en scène, pouvoir
Ça veut dire l'homme du pouvoir, c'est pas un mot d'ordre de régime dans nos mains. Comme les populaires, grand pile nèg qu'il y a régime dans qui ka parle avec foule là, nèg expliquer que pouvoir parce que t'as suivre tout. Mandé pour attaquer parti politique. Et c'est comme ça local plusieurs partis politiques pas le bouler. Local OPL boulé. Local Konakom boulé. Local MDN boulé. Local Kid boulé. Résident Gérard Pierre-Charles boulé. Kay Victor Benoît boulé. Kay Luc Mesadieu boulé. Et répression ça fait. Faut ne pas oublier civil armé à l'époque c'est yo qui t'ai fait. À l'époque yo t'ai relé yo chimère. Qui sont dire les chimères yo t'ai relé yo. Scoop chimère ça yo et pas oublier non nèg qui t'ai université. Faut me rappeler nous ça yo t'ai prend local inaguea et yo entré dans local là yo cassé pied recteur et gon gagné un universitaire qui pral mourir. Et yo pral fè enterrement monsieur, yo pral porter cercueil là dans Inagué et c'est Evans Paul Kaplim qui était obligé de déplacer comme membre opposition pour aller faire négociation avec Negro pour parler avec Negro pour Negro pas quitter cadavre là en dedans Inagué. Scoop. Scoop devant l'évidence de désordre qui gagnait de crise politique et aiguë. Un contexte politique explosif. Avait dit moun pa la province, moun a mouri. Journaliste a prend après pas ka parler etc. Donc parti politique a contesté Jean-Bertrand Aristide à l'époque sous recommandation OEA. Le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide à l'époque accepté dédommager les victimes. Yo bay parti politique yo l'argent. Yo bay chef parti politique yo l'argent. Yo bay au cob pour ka yo te brûler. Mais gon bagay qui pral passer, gon nèg qui dit ah bagay ça pa ka fèt. Comme c'est pouvoir là la sac fèl, m pa pran cob l'état, yo met kembe cob l'état, ça réside même pour qui t'a dédommager. Evans Paul a pris l'argent. Scoop! Je devrais rappeler tout le monde ça. C'est seul nègre qui refusait. Tout nègre OPL, tout nègre Konakom, tout le monde dépôt. L'homme dit ça. C'est pas que m'a dit yo pas bon, non? Moi dit nous, m'a raconté nous l'histoire. Garage Evans Paul, FM. Pas de point comme ça. Haïti débat. Faut pas oublier m'a parlé de l'accusation Guilla. Nous sommes accusation. Faut me rappeler nous. Yo t'ai déjà accusé Guy en l'an 2000 que le taf font coup d'état. Vous souvenez? Mm-hmm. Yo déjà accusé le déjà que le taf font coup d'état parce que l'étape goumé pour Aristide pas tourner parce que Préval pour organiser élection pour Aristide, l'étape goumé pour le pas de vle Aristide tourner d'après ça Audi. Et l'an 2000, et Guy pral prend exil et Guy gagne pour retourner pour venger. Scoop, scoop. Pas oublier, non, tout ça m'a dit, c'est Guy m'a mis en relief pour nous comprendre. Qui ça, monsieur, y est? Avait dit, ça nous, ouais, là, monsieur, gon histoire, ligue ou vie, ligue yé, yon, ligon gens te évolué dans la société, là. En plus, le monde pas connaît, le monde qui connaît, yon pas estimé que nous devons faire exercice de mémoire pour nous expliquer. Pays, ça qui passe, parcours qui est extrêmement important pour nous comprendre qui je dis. Vous écoutez? Scoop! Haïti! Scoop! Guy, donc en exil. Depuis 2000, Guy en exil. Les bails ont passé à pas accuser Guy. Mais, pendant Guy en exil, mobilisation! Puisque vous venez boule kaye moun, etc. Boule kaye leader politique, mobilisation anti-Aristide là, pour aller continuer. Et vous n'êtes qui est le NDAPEN, accompagné de
y a Nick Lines, Lionel Couillou, Haïti débat, Magali Komodoni, Raoul Peck, les membres des partis politiques, etc. Tout ce beau monde. Donc, groupe des 184, ça, yo pral continuer mobilisation dans la rue. Te gen tout, il me l'a rebu. Te gen Micha Gaillard, de triste mémoire. Jean-Robert Lalanne, Efren Ledeni, et surtout, te gen ancien ministre de l'Éducation nationale, Ronnie DeRoche, c'est monsieur qui était chef de la société civile à l'époque, il a mené mouvement dans la rue contre Jean-Bertrand Aristide. Mais le fer de lance de ce mouvement anti-Aristide était Andy Appel. Vous écoutez votre c'est monsieur qui t'a mené, et puis reste Mounio, t'es de elle. Tout le monde sort cité là, y compris l'autre monde pas cité, voulait le départ de Jean-Bertrand Aristide. Et le mot d'ordre à cette époque, manifestation, yo, c'était Grenan Mouda en aller. Grenan Mouda en aller. Grenan Mouda. GNB. GNB. Maintenant, malheureusement, devant l'immense popularité, devant l'immense popularité de Jean-Bertrand Aristide, quoique la police nationale a été vassalisée, mobilisation était insuffisante pour renverser le prêtre président populaire soutenu par une masse compacte composée de plusieurs milliers d'individus violents armés pour protéger le pouvoir populaire de Jean-Bertrand Aristide. Ces gens, communément appelés chimères, Nexayo, c'est au tap Kembe pouvoir. Et puis tout le monde sous pression. Haïti a résisté. Face à l'opposition, ça. Goumé a fait dans la rue toute la journée manifestation. Opposition vine essoufflée. Opposition vine perdu force. Cage. Opposition vine. Pas de jus mobilisation encore parce que t'es qui cob pour mobilisation. Cob a dépensé, maillot a dépensé, flyer a dépensé, etc. etc. Livin bon côté, il n'y a pas capable encore parce que popularité ici de là, immense et incontestable, il n'y a pas qu'à jeter. Il a fallu, un bras armé pour soutenir le mouvement revendicatif pacifique des forces de l'opposition. Haïti dit, société civile, parti politique, etc. Tu as besoin d'un bras armé. Parce que mobilisation pacifique là, pas utile. Nous racontons ma vie à Guilla. C'est ainsi Guy Philippe a été sollicité adroitement, subrepticement, en créole, en bas, comme si on fait monsieur un signe pour aider à renverser Jean-Bertrand Aristide. Et de l'exil étant, Guy, à la tête d'une armée, rentré en Haïti en passant par la frontière haïtiano-dominicaine. Donc, je vais expliquer. Passage, yo, mais gen doua, c'est pas côté premier, côté deuxième, côté troisième côté, mais nan lié droite, je vais ça. Maintenant, Guy rentre, yo recevoir Guy, même s'il est à l'autre côté, m'a parlé, yo recevoir Guy go naïve, en triomphateur, comme le chef suprême, comme Dessalines, comme le sauveur. Mais pour qui raison il recevait le conseil? Et c'est le seul côté qui fait alliance visible. Ouais, m'ajoutez ça. Seul côté qui fait alliance visible, c'est dans Gonaïve. Pour qui raison? Parce que dirigeant armé cannibale,
y a un contentieux historique que a réglé avec régime Lavalas là, parce que régime Lavalas a tué Amio Mété. Scoop, monsieur Aurélie Cubain, hein? Régime naturel. Donc, nèg yo bien content pour faire alliance visible avec lui pour venger la mort d'Amio Mété, assassiné par un certain oublié non monsieur O'Donnell Paul. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. Par contre, les messieurs sont qu'on arrive, ça veut dire monsieur déjà la Tibonite non même. Par contre, au cap haïtien, c'est seul côté qui peut jouer une résistance. Fait papier l'histoire. Guy rentré, yo dit moi, scoop. Li joignent une résistance dans barrière battant. Non loin de Milo. Parce qu'à l'époque, tu as une armée qui était à la solde du maire de l'époque, Moïse Jean-Charles, qui fait résistance et puis qui gourmet à Nego. Mais finalement, devant la puissance de feu du combattant libérateur Guy Philippe, Nego armé Moïsio, Nego armé Lavalasio, et au bas de bas. Scoop! Et qui? Scoop! Continuez route li pour aller vers d'autres objectifs, pour faire conquête d'autres villes, l'autre commune et l'autre département. C'était la peur panique, c'était la peur totale! Parce que Guy, mis au balai, à quelques pas de Port-au-Prince. Guy et ses hommes, il a préparé eux pour lancer l'assaut final face à l'imminence de cette guerre totale. Et sans merci, les grandes puissances ont décidé de contraindre le président élu démocratiquement, le populaire, l'inoubliable, l'incontestable, pour faire plaisir à Darius, l'incontestable président de la République, maître Aristide. Haïti débat. Blanc, mandé, maître Aristide, allez. Mais, le mandé l'aller pour deux bagailles, pour éviter deux bagailles. Ça devient de plus en plus intéressant, monsieur. Évidemment. Yo, Mandel, allez pour éviter que qui va entrer. Parce qu'il y a un bain de sang. Et si qui entre, bain de sang, monsieur, gagne directement le président, le pouvoir. Donc, Blanc dit ici d'aller. Pour qui va entrer, deuxièmement, Blanc voulait éviter que Guy rentre dans Port-au-Prince en triomphateur pour le tour à Chita dans le palais national. Donc, il a créé espace là. Et puis Blanc a pris contrôle toute bagaille. Et après, Guy prend le vini. Guy, les Guy a rentré. Ça veut dire applaudi tout côté par un pile haïtien monde, content. Il avait dit groupe 184, tout le monde qui était dans la rue, Grand Namouda, anti-Aristidio, tout le monde s'est pas la quai Guy. Il n'y a pas de prendre Guy comme mon Dieu. Et à l'époque, s'il pas noir, il était un cheveux long, il était une autre couleur peau, ou tu as dit c'est bon Dieu en personne. Scoop! Comme Dieu est dans l'imaginaire des gens, donc c'est pas une question de foi, donc nous sommes capables de comprendre autrement. Maintenant, Guy est tellement confiant et sûr qu'il prend d'assaut le pouvoir. Je me rappelle à l'époque, Guy annonçait que le pral fêter anniversaire naissance li dans Port-au-Prince. Haïti débat. 29 février. Parce que 29 février. Et m'a parlé là, Owen. Donc tout le monde connaît que Guy fête le 29 février à Mdédia. Mais il faut être honnête. Pour dire, c'est Guy qui portait dernière touche.
C'est Guy qui poussait dos Jean-Bertrand Aristide. Pas de aucune manifestation ou bien chef manifestant qui était capable de faire ça. C'est la puissance de feu, les armes de Guy Chamblain, etc. C'est eux-mêmes qui poussaient et renversaient le pouvoir à l'époque. Scoop. Et c'est lui qui ébranlait le pouvoir à la Valas. Et ça fait, comme dit-nous, le contentieux est toujours là. Je reviendrai sur ça. Le contentieux est toujours là. Donc, Guy était à l'époque un mal nécessaire. Capable de renverser le jeu des rapports de force en faveur de l'opposition. Mm-hmm. C'est Guy Fell, c'est Guy même qui mettait l'opposition dans la situation pour prendre pouvoir. Maintenant, une fois objectif là atteint, Aristide est parti, Guy a donc été exclu. Ah, vous comprenez pas là? Ça veut dire question pouvoir, Val. Guy exclu. Gage FM. Et Guy pensait que au trahil. Parce que Guy n'a pas récolté ce qu'il avait semé. Le fruit, n'est-ce pas, de sa lutte. Avait dit, comme tu as dit, ce qu'il avait semé. Donc il n'a pas récolté. Donc Guy pensait que au trahil. Il a utilisé Guy. Oui, bien sûr, on va le dire ça là. À la suite, bon événement qui va arriver. Quelques jours après le départ d'Aristide, vide là, installé, bon conférence de presse, Guy Bralbaï, pour l'annoncer tellement le vexé, parce qu'il a exclu, que le pralé n'a pas le national. Où va-t-on parler, hein? C'est pour nous comprendre que Guy n'a pas de jouette. Et rappeler que je ne suis pas en train de faire l'apologie de Guy. Je suis en train d'expliquer. Au fond, historiographie, de ça qui s'est passé. Son parcours. Mais là, Guy finit balai, Amérique répond. Je ne dis pas sa pièce. Si on répond, monsieur, on porte parole au département d'État, répond, il dit pas de sa pièce. Chut. Guy Goulet. Mm-hmm. Scoop. Vous comprenez? Guy Goulet. Maintenant, leader politique, yo, représentant société civile et secteur économique, là, y a préparé yo, pour aller faire chouer rave pour prendre pouvoir. Yo. Coup de théâtre. Le blanc a mené ma. Scoop. Boniface Alexandre, président de la République. Le 29 février 2004. Jour même anniversaire Guy. Installé Boniface. Boniface prête serment. On t'y cérémonie tout petit, durait 7 minutes comme ça. Mm-hmm. Dans primature, laisse à Yvon Neptune qui était premier ministre. Et quelques jours après, soit le 12 mars 2004, le Conseil des sages, au lieu que yo baille, yo prend yon moun qui était dans la rue, etc. Mais qui de l'opposition, au lieu de choisir Guy, pas comme ça. Il y a deux mouns qui sont sur liste là. Ils font une liste de mouns, deux mouns qui sont sur liste là. Dicté également par les forces. À l'époque, ils mettaient Gérard la Tortue à Kéra Abraham sur liste là. C'était réel comme à Kouel. En 90% de mouns connaît, c'est Kéra Abraham qui est le premier ministre. Dans 10% de mon nom, je suis dans 10% que tu connais et à Babou. Haïti débat. Hein? Haïti débat. Très simple, très simple. Je m'explique. Conseil de sage là, il a gagné Anne-Marie Saladin. Qui c'est? Directrice générale Radio Signal. Le Sam, c'est directeur information moi-même, Radio Signal. Okay. M'a compte toute nouvelle. Okay.
et les Ariel déplacés pour venir dans la réunion à Anne-Marie, mais qu'on est là. Tu as un scoop là? Donc, non, tu as un signal là. Donc, dans 10%, nous avons quitté la donne. Ok? Mais, il y a l'autre information encore. Le, il y a fini de mettre Gérard Latortue, pas oublier, c'est conseil des sages avec Choisil. Gérard Latortue, sans assise politique, et monsieur a une mission pour mener le pays à l'élection. Scoop! Scoop! Et Ariel Henry, qui fait partie, qui fait partie du conseil des sages à l'époque, monsieur était déclaré et m'a dit nous ça, monsieur dit. Cage FM. Il a besoin au minimum 9 mois pour organiser l'élection législative à l'époque. Et c'est ce même Ariel Henry aujourd'hui qui est premier ministre. On ne comprend pas. Donc, tout le monde saisit, ouais, Gérard Latortue, tu n'as pas de base. Et puis c'est Gérard Latortue qui a choisi. Mais il faut comprendre pour qui ça, Gérard. M'a dit nous pour qui ça a dit là. C'est aujourd'hui à m'a dit. Parce que, sous pas non, côté information, ou papa la moun. Non, vous m'avez parlé de ça, m'a parlé. Votre radio. Gérard Latortue, scoop. T'es qu'on voit un cob, bah l'opposition, contre Aristide. Ça veut dire, monsieur, qu'on a participé sur le plan financier, ça veut dire, monsieur, a financé le mouvement. Donc, là, choisi. Gérard Latortue comme expert international, etc. N'est que l'opposition pas qu'à dire rien parce qu'on connaît monsieur Taboué comme. T'as acheté pouvoir. Donc, c'est un monde pas yo. Yo comprenne son monde pas yo. Et vous parlez ça pile devant. Et c'est ça que fait. Dans le gouvernement, Gérard va le faire avec Boniface là. Ou va joindre Era Abraham comme ministre des Affaires étrangères. Qui était dans le mouvement anti-Aristide Ladou. Madame Daniel Sello, qui est ministre commerce, qui était dans le groupe 184. Pierre Buto, qui t'a travaillé dans le groupe 184, là, qui est ministre de l'éducation nationale. Bernard Gousse, Zambim, Frem, qui est ministre de la justice, qui était conseiller dans l'affaire juridique dans l'affaire 184. Et finalement, la grande dame, Magali Komodeni, qui est ministre de culture, quitter une amoune faire de l'an 184. Donc, moun qui était dans la rue, yo investi qui, yo prend pouvoir, c'est qui va la donne. Et qui va gagner. Et qui était très frustré. Et même policier ou bien militaire qui était accompagné Guillaume pour faire mouvement, yo comprend, yo pas mettre dans une situation de bien-être, etc. Nèg sa yo, yo exclu yo, yo humilié yo. Scoop. Et au-delà de ces postes ministériels, plusieurs personnalités du secteur privé, je vous regarde droit dans les yeux, ont eu des privilèges inimaginables. Ont eu des privilèges inimaginables. Haïti débat. Haïti débat. Scoop. Ils ont eu des franchises pour ne pas payer rien pendant des années. Ils ont eu des contrats pour faire ça ouvrir dans le pays. Ils ont eu des contrats pour bailler la police manger. Quand tu as fait plusieurs millions de dollars. Et il a fallu l'arrivée de Mario André Sol comme directeur général de la police nationale pour te dire bagaille ça n'a pas capable de faire. Parce que au seul monde pas qu'il y ait tout contrat dans la police là. Donc M. Choix chercher l'autre monde, il fait appel d'offre pour le bail contrat. Pendant ce temps, Guy Philippe a de gagné. Nexa Ovin, super riche. Donc Aristide est parti. Statu quo maintenu, mais comme nous t'ai toujours dit, pouvoir lui changer de main, mais ne pas changer de maître. C'est même Mathieu qui prend pouvoir. Et quitter
renverser Titi. Pendant la période ça, Guy se retrouve sans pouvoir. Sans poste. Et Cage probablement FM. Sans argent. Scoop. Et Scoop. Il a exprimé frustration. Et comme j'étais directeur de l'information de Sial FM et présentateur de l'émission que les Haïti aujourd'hui, hein, Guy était venu tout le temps dans la radio ça. 90.5. Gros radio à l'époque. Chargé écoute à l'époque. Pour expliquer, Guy a expliqué son ras-le-bol. Ses frustrations. Et dénoncer ses frères. Ne qui tape de lui. Il a dénoncé eux. Et il a accusé eux de conzé. Val. Oui, Val. De conzé. La preuve. Guy Philippe. Dans la dynamique de dénonciation, Haïti débat. L'annoncé une série de révélations. Non livre que le temps a écrit qui est le temps des chiens. Que l'annoncé sous signal Namiko. Le temps des chiens. Jusqu'à présent, Val. Davidson, j'attends encore la publication de cet ouvrage, Le temps des chiens, parce que j'aimerais bien identifier ces chiens, parce que le temps, pour moi, est révolu. Guy doit revenir sur le temps des chiens, parce que les chiens sont encore là. Nous tendez à broiement de ces chiens-là. Mais je pensais que Guy allait les nommer. Mais jusqu'à présent, Guy pas fait. Et c'est une question que Guy doit répondre n'importe qui l'est. Peut-être qu'il a ses raisons. Ouais, le temps des chiens. Donc, et par la suite, Vingé dans le pays a toute une série d'informations concernant Guy. Et puis, opération qu'a fait de Guy. Pestel. Opération BLTS, ça veut dire grosse série d'informations. Mouna parlé, etc. Mouna parlé de Guy, etc. Parlé de Guy, etc. Ou est-ce que je m'abonne des questions? Nous recueillons, il a parlé de Guy. Parce que beaucoup, j'en mouais jusqu'à présent. Où n'est Guy arrêté? Et puis, monsieur dit, il te fait ça à Guy, il n'a pas fait ça à Guy. Mokowel! Donc, il n'y a pas pour Vintil. N'est pas continue de dire. Mais il pas pour ça, Vinda. Il vient pour me dire, ça me connaît. Donc, mais. Oh, les opérations, j'étais dans le pays, me connais. Hélicoptère toute la journée, des Guy Dié, des BLTS, des Guy. Et puis, qui sous pression? Et c'était le silence. Un silence long du chef des rebelles. L'homme de 2004, je dirais. Si à peine à l'époque était considéré comme la figure emblématique de les mouvements de contestation dans les rues de Port-au-Prince. Guy Philippe était représenté le sauveur de l'opposition. Et pour la Valas, Guy Philippe son rebelle, son putschiste, Guy est l'ennemi public numéro un de la famille La Valas, donc de Jean-Baptiste Aristide. Scoop! Si La Valas du pouvoir. C'est qui? Évidemment, il faut nous connaître le mouvement qui est dans la rue, mais c'est qui? C'est Guy qui a renversé. Donc c'est Guy qui est ennemi. À preuve, je ne sais pas Guy parler à Caristi. Même quoi? Et puis certitude. N'est-ce qui est dans la rue? N'est-ce qui est voyé Guy aller? N'est-ce qui va ici aller? Il va parler avec Titi. Scoop! Scoop! Je vous écoute. Haïti débat. Scoop! Haïti débat. Donc, Guy replié définitivement au niveau de la grandance. Et certains m'ont dit qu'elle toujours était pestel, les habitants dans la zone protégée parce que son papa lié, en plus le monde remet monsieur, etc. Ok? Cage. Et Guy vive l'autre boa et vous considérez Guy comme un leader incontesté. 107.7 FM. En 2005! Lors de l'élection qui va organiser le 20 novembre,
t'es gagné 32 candidats à la présidence. Parmi eux, qui t'aime citer certaines figures importantes et emblématiques de notre pays. Dumas Saint-Simeus, où t'es connu? Riche homme d'affaires. Monsieur t'a vu aux États-Unis. Monsieur vient d'entrer comme candidat à la présidence. Leslie François Saint-Roch Maniga, notre Maniga. René Préval. Et parmi tous les candidats, ça y est, Guy Philippe, Rebel Sauveur. Haïti débat. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rose Claire, nous saluons. Merci beaucoup. Donc, pendant l'élection présidentielle, ça fait, Fabli et nous, Guy, qui sauvait le pays, qui met le pays dans leur dynamique, entre guillemets, elle me dit sauver le pays. Parce que bah, la valasse pour la valasse, qui tue la démocratie pour la valasse. Ouais, mais pour les gens qui sont dans la rue, qui finissent sauver. Maintenant, élection faite, qui fait 1,92% de voix exprimées. Soit 37 300 votants. Malgré aide qui était portée par le pays pour le libérer, entre guillemets. Malgré engagement. Que qui te prend, il a déconstruit Guy dans yeux de l'opinion publique. Et amis politiciens, il a dénoncé Guy. Et peuple là à l'époque, scoop, n'avait pas vu en Guy un président. 107.7 FM stéréo. Haïti débat. C'est mon point de vue, ma bain, non? Puisque on va voter. Haïti débat. Il va voter. Non, depuis, j'ajoute. Malheureusement. Vous comprenez ça, me dit malheureusement. Parce que, par contre, ça a guitare avec un résultat. Mais tout le monde qui prend pouvoir après ça, moi, ça va pas. Donc, maintenant, qui s'en est nous, on va s'en faire. Là, me dit malheureusement, c'est pas quelque chose que je suis en train de dire en faveur de qui. Mais qui pas prend pouvoir. Mais tout le monde qui prend pouvoir, je dis à remettre dans une situation, pays à genoux, la faillite. Et puis il n'y a pas jamais si mal que ça. Nous allons être en Ouessagui. T'as capable de faire. Et c'est pour ça que j'ai ajouté malheureusement. Okay, okay. Donc, comme si allez nous, que sous président Joseph Briver, chef rebelle là, il t'a accusé parce qu'il a dit que tu es menant attaque sous commissariat de CAI. Nous sommes dit ça. Date ça, c'était 15 mai 2016. Et Guy, il t'a invité, monsieur. Commissaire gouvernement Jérémy, hein, M. Roosevelt Zamor, il était convoqué Guy Boudé convocation. Ah, il va bien, non? Guy Fort. Boudé convocation. Par la suite, il y a un mandat que le chef parquet au Kaila, Benoît Noël Voé, Guy Boudé. Bon. Et il a vécu une expérience électorale humiliante. Même désastreuse. Catastrophique. Guy, un chef de guerre intelligent. Monsieur Lancel, dans les élections sénatoriales de 2016, sous la bannière du consortium des partis politiques alliés du PHTK. Haïti débat. Alliés du PHTK. Pendant l'élection, ça, on a dit qu'on n'a pas les 20 minutes devant vous. On a allé. Pendant l'élection, ça, monsieur. Il a été élu sénateur de la République parce que monsieur fait 22,49% des votes. Monsieur Batsorel, monsieur prend devant Sorel. Gage. Selon procédure, il n'y a pas de monde qui joue, mais comment c'est que quelqu'un qui va jouer là? Selon procédure, une fois que candidat élu, candidat fin élu, scoop. Faut le rentrer à Port-au-Prince pour aller dans le conseil électoral là, pour recevoir le certificat. Là, il faut recevoir le certificat. Là, il descend dans le Parlement pour aller prêter serment. Et il peut finir, non? Élu ça, il doit être une décision d'une commission de validation qu'il a créée en dedans.
les commissions de validation fin valider pour voir monsieur. Et c'est là ça, monsieur a bénéficié de l'immunité. Vous entendez ça, Mabdi? Oui. Donc, dans le cadre de ça, selon parlementaire, selon spécialiste parlement, selon constitutionnaliste, Guy a été un sénateur élu, non assermenté. Il ne pouvait pas bénéficier de l'immunité parlementaire. C'est peut-être à cause de ça qu'il fait, il a suivi pendant longtemps comme ça, pour arrêter elle, pour tout ça, il n'a pas été fait, parce que les ça, il n'a pas arrêté Guy. Et comment le lien? Non, même si elle est. Faut réserver son palais. Voilà. Non, non, c'est pas oublié, non. Guy a fouel pas même bagaille. Guy a fouel pas même bagaille. Nous avons fait une émission sur ça. Mm. Maintenant, à rappeler que Guy lui-même, il était informé que le connaît qu'il va l'arrêter. M'a tourné sur information que le débat est déjà. Hervé Foucan dit ça. Directeur général de la police a dit ça. Lui-même lui connaît ça. Il était voyé. Sécurité que le connecte dangereux Genzam a lâché des bagailles et puis Guy marchait, Guy vint là sans être invité et Guy sorti là pendant la sortie. Nous connaissons l'histoire, il a arrêté Guy en héros. Ajoutez-vous nous. Mm-hmm. Parce que si on prend Guy ou l'autre côté, peut-être il doit dire échange de tir, Guy mourit. Donc Guy choisit côté pour arrêter là pour gagner la vie. Sénateur élu. Monsieur passe son temps très court dans le CPJ et extradé Monsieur Val aux États-Unis pour être jugé. Malgré l'intervention sénateur, a dit Lambert, Youri, tout le monde qui était là. Il a fait pile pression, grand corps a fait pression sur la police, mais PNL n'a pas bougé et il a transféré Guy aux États-Unis dans le pays de l'oncle Sam. Et nous connaissons l'histoire, Guy plaide coupable. Il est passé 6 ans dans la prison après avoir probablement collaboré. Parce que tu as fait beaucoup de temps, il a collaboré, il fait 6 ans. Et après 6 ans, il a libéré monsieur. Et il a déporté en Haïti, le gouvernement n'a pas accepté. Finalement, il a déporté Guy, Guy est entré. Le Guy est entré, il faut titan en DCPJ, etc. Après mon titan, et puis il a Guy. Et Guy est sorti. Mm-hmm. 6 ans en dehors du pays, mais Gombara est pour nous. De la prison étant, Guy réalisait plusieurs émissions de radio avec des journalistes internationaux et des journalistes locaux. Donc quoi? Pas de monsieur de prison? Donc, Guy toujours gagne information 1 et gagne relation avec le peuple. Parce que le balai. Toujours être vivant, il est vivant. Vous ne comprenez pas qu'on aime galère. Monsieur est vivant dans mes mois, peuple là. Et qui ça fait, qui fait dans toute déclaration, yo? Qui toujours dit, c'est abus que vous faites. Et au compte peuple là, t'avais dit, Guy, montrez que nous sommes victimes. Mais dans le discours, ils ont raison. Discours Alphel, c'est pour changer l'opinion publique là, pour le mettre en faveur, pour le sauvegarder l'image là, que certains Mountaini, selon lui-même, parce que Mounio hostile avec elle. Et son gros bagaille, communication politique, qu'on connaît, comme il se fait. Parce que, s'il pas de me parler, elle tape la guerre, pas même bagaille. Monsieur entretenu de relations avec le peuple. Mais, attendez-nous, c'est bizarre. Très bizarre. Pas qu'il y a aucun prisonnier qui compte bénéficier de traitement ça si on prend pour des bagailles comme ça. Ma imbécile. Je ne suis pas un ignorant. On y a pour nègre, pour drogue, assassinat, bah, tout bagaille ça. Et puis, monsieur en téléphone, belle émission. Monsieur ici, belle émission. Bon bagaille qui passait. Qui était donc? Baron Jacques Pachano, mais ça m'a dit, Guy était un prisonnier privilégié et spécial. Et ça veut dire ce que ça veut dire, puisque les faits sont là. Scoop! C'est le palais. De retour donc en Haïti, Guy font tourner dans la grandesse.
il profitait pour faire déclaration. Il demandait pour faire révolution et il demandait pour Ariel Ali. Révolution qui? Pour Ariel Ali. Et déclaration et tout ça qui a fait, il a situé dans le contexte de négociation non aboutie après plus d'un an de dilatoire entre la primature, entre les gens, les partis politiques qui étaient signés à quoi 21 septembre, etc. Ok? Et Montana, etc. Fritz Jean, tout le monde, André Michel, dilatoire, rien pas, j'aime sorti. C'est dans le contexte ça qui est rentré. Guy est donc venu, plus classique, dans un contexte d'opposition de salon, d'opposition d'échange de mots et de paroles. Vous écoutez votre avec radio, des mouns qui n'ont aucune force, qui n'ont pas représentatif. Scoop. Ou opposition qui n'a pas gagné un centième de pouvoir de convocation que Guy a gagné en 2004. Absolument. Donc, pour Guy, il n'y a pas de leader. Le terrain est complètement vide et vidé. Ce qui s'est gagné, je dis, selon Guy. Kidnapping, vol, viol, assassinat, monde qui a parti, Biden, Vichère, désespoir, bandit a fait la loi. Et le peuple, dans son immense majorité, est comme toujours, l'abtonne ou leader, l'abtonne ou sauveur. Donc, qui ça peuple a besoin? Un minimum de sécurité pour le capable de stabilité, pour l'avancer. Et il vient avec ce discours. Et il est venu avec ce discours. Merci, tu as compris et tu es en train de suivre. Et monsieur a déclaré, m'a cité. Si j'ai volonté politique, problème ça yo, ça me dit là yo, m'a résoudre yo en 3 mois. Et ça qui dit? Qui touché principale préoccupation de population dans le contexte ça, je dis ya. Et comme c'est sa pays a besoin de sécurité, qui est donc en quête d'une construction d'une nouvelle légitimité et pour arriver l'utiliser et instrumentaliser la problématique de l'insécurité. Il est en train de construire son virage en utilisant la thématique de l'insécurité. Il s'en fait virage. Donc, virage ça, il fait peur. Et c'est un discours qui attire, puisque monsieur fait avec force, conviction et détermination. Élément important ça, dans sa qui rentre, sous question de sécurité, et monsieur a attaqué le pouvoir, il n'a pas attaqué l'opposition, monsieur a tout cassé négociation, nous n'avons pas besoin de parler de bail comme ça encore. Parce que c'est lui, le chef des rebelles, c'est lui le révolutionnaire aujourd'hui. Pas qu'à faire Montana ou à faire Chita sous table encore. Pas qu'à faire comme ça encore, parce qu'il y a Guy. Guy, encore une fois, qui par une manifestation pacifique qui est venu avec la thématique de révolution pour tenter de changer et influencer les données politiques. Nouvel élan de Guy. Maintenant, dans le discours ça et dans la dynamique ça, Guy a éliminé Montana. Il diminue terriblement l'ancien premier ministre, Claude Joseph. Paquet libre. Monsieur éliminé le don au revers de main parce que le premier ministre ça, il fait une déclaration, il attaque le premier ministre, il diminue le premier ministre parce qu'il dit la patente avec le premier ministre Ariel Henry. Donc, Divine prend une dimension et puis, comme monsieur a fait monde, attaqué monde, monsieur allo cap, etc. Mais pour cap, il y a qui veut, allo cap, etc. Ah, monsieur commencé, bah, Moïse problème. Et ça fait Moïse al parler. Sorti. Moïse fait que sorti, parce que vous remarquez que la paix du monde. La paix du monde. Exact. Donc, Moïse Jean-Charles commencé à promener et puis monsieur attaqué Ariel de manière frontale. Guy fait tête y passer
Et c'est ça que nous comprenons comme le principal leader de l'opposition. Et du coup, Guy a pas avancé d'un cran vers la prise du pouvoir dans le cadre de ce qu'il appelle la révolution. Scoop! Scoop! Haïti. Maintenant, sans le vouloir, je suis obligé de le dire. Intéressant. Haïti hein? débat. Guy réduit l'importance de l'opposition dans l'opinion publique. Non sens Guy rend Ariel service. Ah bon? Mm-hmm. Parce que Guy retire sous table. Yon paquet leader. Ou paquet leader! Ariel retire sous table pour contre lui. Et ça fait besoin de l'éliminer Mounio. Kounia! Comme c'est Guy qui retire Mounio, yon fait ou humeur à courir sous Guy que Guy a monté sous table et que le mandat ministère. Parce que pas que l'autre monde sur table encore. Oui, mais ça a doit pouvoir faire. Oui, mais ça a doit c'est l'autre dans politique qui pousse. Scoop. Il va sortir de tous côtés. Tout côté. Il doit c'est qui tout. Vous comprenez parce que politique en fait. Maintenant, table à vide. Guy, c'est principal. Parce que vous n'avez pas vide chita Rodia pour Rodia faire négociation. Pour ne pas faire appel à Guy ou à Mounka Guy, parce que c'est Guy qui est force de frappe là encore une fois. Oui. C'est important, comme je dis là. Parce que c'est Guy qui a mis Moun dehors, c'est Guy qui demande Moun, ferme les bureaux, ferme tout le bagaille. Guy a marché, pas Moun qui a fait. Donc, c'était Moïse qui a fait. Mais Kounia, est-ce que Moïse a joué pour le faire pendant Guy là, si Guy n'est pas d'accord, il y a un gros problème. Parce que Guy est le chef de l'opposition, incontestablement, aujourd'hui, sinon pour le moment. Hein? Mm-hmm. Pour le moment. Maintenant, Guy renforce Ariel. Haïti débat. Maintenant, question m'a posé. Haïti débat. Guy a-t-il le profil? Est-ce que Guy a crédibilité? Est-ce que Guy a tempérament? Est-ce que Guy a bénédiction? Des forces incontestable de l'international pour le monter sous table. Une question posée. Une question posée. Parce que nous avons une force à arriver, mais il faut monter sous table. Seul Guy, Jodia, Cage FM, une force de frappe que le gagne dans la rue. Parce que je vais oublier, nous, le métier des armes. Et M. Gompaquet, nous, on va parler de Bessap. On va parler de Bessap, même ça ne va pas intéresser. Monsieur qui est force de frappe. Parce que l'MD ou Gap Sotia, maton avec Bessap et seulement avec, nous n'avons pas qu'à tout le monde avec tout. Ouais? Monsieur qui est monde qui avait. Peuple a croit aujourd'hui que Guy pas seulement ou n'est qu'à parler. Même j'ai avec mon. Dans négociation. Oui, dans négociation, forme cité, oui. N'est mon monde Guy, comment vous voulez. Et André Michel, comment vous voulez. SDP? Ou bien Moun Mondana, ou bien Claude, Claude Clarence, etc. Il n'y a qu'à parler. Parce que c'est un bail pacifique. Le peuple a cru que Guy, par on n'y a qu'à parler, Guy est également un homme d'action parce que Guy prend âme déjà. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, le peuple a cherché libération. N'importe qui a fait le Guy, le peuple a marché dehors. Parce que le peuple a voulu, même s'il va avoir une solution, oui. Mais le besoin d'un espoir. Et c'est Guy, aujourd'hui, qui est porteur de cet espoir. Haïti débat. Haïti. Attention! Guy doit être prudent. Ah bon? Évidemment. Oui, là. Moi, ça, dis-moi là. À cause de ces contraintes, Guy Guénois, par monde qui est arrivé à la tête du pouvoir. Contrainte de toutes sortes. Mmh. Mmh. International, comme vous dites. Mmh. Opposition, pas bien. Ouais. Et toute combine qu'a faite contre monsieur, ça veut dire Guy doit être prudent. Et puis, il faut monsieur régler des mêlés le gain avec international là. Il faut la clarifier. Je prends un exemple là.
Même après deux exemples, je vais demander à Mounio, excusez-moi si je prends un exemple, mais comprendre ça, je vais dire. Si c'est Jackie Lou Marc, scoop, ou bien Gadi Leblanc, qui ne place Guy, il a plus légitimité pour ne pas pouvoir nommer Ariel. Ah oui. Vous comprenez? Ça veut dire. Haïti. Faut qu'il bataille pour le prendre. Mais si l'exemple a une popularité, Guy est là, et force de frappe Guy, Blanc tape d'accord rapidement pour changer Ariel, pour commencer l'exemple, parce que l'exemple offre une image pacifique, et l'exemple c'est allié Blanc et tout. Guy pourquoi allié Blanc, dans ce sens-là que n'a pas parlé là. Comprendre, mes amis. Haïti débat. Haïti débat. Opposition, il va jamais soutenir Guy. Et faut qu'il évite une nouvelle fois pour ne pas manipuler et pour cette fois-ci, il ne pas reprendre le pouvoir, non mais encore, pendant la fin mouvement ça. Pour même bail 2004 là, pas arriver. Val, devant la popularité de Guy, vous remarquez que les critiques se taisent. Aïe moun. Qui conteste ça? Non, aïe moun. Quand vient jouer Guy, pour dire Guy, barre dans la radio, ou va pas? Parce qu'on va moun. Ouais, ma question. Seul nèg qui tentait du bail de Guy et puis dit Albin dans Rivière Glace. Il m'a rébu. Il dit Albin. Mais attention. Il fait attention. Hein? Il fait attention. Il est très prudent. Parce que Guy a fait n'importe qui bail. Ouais, c'est lui-même. Après ça, tout le monde fait même bouchon. Et ça fait Guy connaît le chef d'opposition. Hein? Parce que personne n'a pas fait ça à l'affaire. Pas comme Moulika Vinci, fermé tout le bureau de Pétionville. C'est le Guy qui a fait ça, je dis là. Attention, je ne dis pas ça, je dis bon. Je dis ça, ça va passer. Bon. Devant la popularité Guy, tout le monde ferme un bouchon. Et. Gage. Opposition, Pavle Guy, arrive dans le pouvoir. Scoop. Parce que banal, il y a ça, Guy. Guy n'a pas gagné toute popularité, ça, qui dépasse. Guy n'a pas gagné alliance claire que le café dans l'opposition. Tout le monde a peur, parce que Blanc a arrêté Guy. Donc tout le monde a peur, il a fait alliance souterraine, cachée, mais pas aucun leader politique, visiblement. Bon, on dit Gadi Leblanc. On dit Magali, comme on dit. Et puis pour Chita, pour marcher, il dit Guy n'a pas négocié, donc nous allons pouvoir. On regarde pour nous si c'est qu'a fait. Si qui arrive sous pouvoir, opposition ça, l'a toujours dans l'opposition par rapport à qui. Reste à savoir maintenant ce que pense Martine Moïse. Oh. Ah ouais. Parce que Guy, c'est ton allié fidèle de Jovenel Moïse. Haïti débat. Haïti débat. Vous ne pouvez pas comprendre. Quoi? Ça veut dire qu'il est important. Mais attends, on t'y va tout petit, Val. Val, on t'y va tout petit, à un moment donné. Si Guy, il y a un problème pour le candidat, ou il y a un problème, poids électoral, Guy, capable incontestablement faciliter l'arrivée au pouvoir de n'importe qui. Scoop! Facilité. Arriver au pouvoir de n'importe qui. Monde. C'est en bénédiction. Notamment Michel Matéli. 7.7 FM. Notamment Michel Matéli. Parce que Guy, c'est. 107.7 FM. Michel. Stéréo. Bah, quand il peut faire prison, il va aller encore. Pas bien consortium, parti politique, c'est un PHC qualité. Donc, non. Faut que nous prenions sans vous comprendre ça. Pour comprendre ça, pour moun ki di ke Guy pa ka candidat yo à la présidence, go grand bagay mwen m'a répondu. Il faut attendre le décret électoral. Et décret électoral là seulement qui pral di si Guy ka candidat, si Guy pa ka candidat. Débat ouvert, plusieurs juristes prennent position contradictoire. Seul décret électoral là capable di qui ça peut passer Guy et pour le moment pour qu'on gagne des cas électoraux.
Et si Guy pas un candidat, qui a venu, Guy? C'est la grande question. Hein? Bon, question fondamentale. Toute légitimité, Guy, l'Ichita, ça se dit sous le fait que Guy bâtit popularité la Jodia sous question insécurité que lui-même n'a résolu. Scoop! Puisque Guy, ces problèmes ça, si vous voulez bien que le cas résout, un gros problème sérieux que posé. Si le cadre arrivé, force de soutien, cap vin mettre sécurité, aider mettre sécurité, force à rentrer, lui résout le problème de sécurité, Guy pas vont faire tu de paille. Parce que le discours n'a pas servi. Le ça, c'est pas solution au problème insécurité qui pourrait le poser comme problématique. Qu'on a sac parlé comme discours, c'est l'élection. Le ça l'oblige de changer de discours. Parce que le dédit, il ne peut pas parler d'élection. Qu'on a l'oblige de dire, suite à la situation ça, il peut aller dans l'élection. Donc, succès futur qui dépend de force multinationale là, toute force multinationale n'a pas venu. Qui a plus proche pouvoir, la plus capable de pouvoir. Mais depuis force multinationale là, rentrer, qui a pas obligé qu'on l'autre type de comportement, qu'on l'autre type de discours, et la pas obligé rentrer dans le livre pour le même candidat. Il y a tout candidat. Cage FM. Donc, avenir qui dépend de la force multinationale. En cas de succès de la force, qui a perdu plume. Pour le moment, tout le monde a parlé de Guy à cause de son discours. Donc, l'avenir de Guy est lié à la situation chaotique. L'avenir de Guy. Le chaos est profitable à Guy. Toute situation pacifique et toute solution en pour qui résout problème insécurité a la diminué capacité Guy à prendre le pouvoir. Qui dit la paix dit élection. Qui dit élection, il n'y aura pas de révolution. Donc, mais avenir pays a mes émissions spéciales que nous préparons pour nous comprendre Guy Philippe. Vous écoutez votre radio. Nous pas besoin 107.7 FM stéréo. Jouer pour fond bon bagage. Comment nous pas débat. Comprendre ce qui a passé là. Et grand pile monde là qui a félicité. Si force là rentrer. Son l'autre pays, son l'autre discours. Haïti débat. S'il pas rentré, c'est Guy qui a un personnage qui est plus important en Haïti. Et quand pile monde qui pas jeune. Et puis après, l'opposition a mouru pour contenir c'est Guy. C'est Guy qui prend le pouvoir. Maintenant, si Guy pas prend le pouvoir, Yogi doit éclipser Ariel Rapide. Si Guy a pas entré même gens, pour répéter l'histoire, pour passer le pouvoir au monde, pour mettre Guy dans l'autre dynamique.